la caractérisation de Barba des comportements paraît évidente quand on voit comment il se comporte. C'est véritablement abominable. Il y a le refus de l'altérité, de la diversité, aucune tolérance. C'est du totalitarisme à l'état pur. Vous pouvez trouver un substitut à Barbare, mais ça reste abominable et ces gens devront répondre de leurs actes un jour. Il y a là des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et je persiste à dire que ça reste barbare. Que l'organisation est, je dirais, totalitaire, elle la décrit assez bien, mais elle est assez tactique, c'est-à-dire qu'elle utilise beaucoup les médias pour effrayer, pour faire en sorte d'ailleurs, avant d'occuper un territoire, de faire s'enfuir les gens avec lesquels elle doit combattre, pour aussi essayer de faire des nouvelles recrues à l'ouest, mais en même temps, à l'intérieur, ils administrent les territoires. Et donc, ils rendent des services de base, justice, l'ordre public, l'eau, l'énergie. Et donc, il y a une espèce de dualité dans cette organisation. Ils veulent maîtriser un territoire et en même temps effrayer.